Là, je devrais Alors, pouvoir enregistrer à nouveau, c'est recharger les batteries. Bon, j'espère que je vais avoir suffisamment de jus pour aller jusqu'à Plestane à nouveau. Mais bon, on va au moins faire la descente du plateau, comme la dernière fois. Ah, on n'a rien oublié, regardez deux fois le banc, la table, ouais. Oui, bah, je suis déjà avec ma douche, hein, celle comme la dernière fois. Je t'avais dit que pour moi c'était un des gémissements entre un mélange de plaisir et de douleur. Une baignoire ou une douche? Non, j'ai la chance d'avoir une baignoire encore. J'ai la chance d'avoir une douche. Ah, tu préfères? Oh, je m'en accommode. Ah, tiens, c'est nouveau ça. Le panneau, il n'y était pas il y a 2-3 ans. Ouais, chien qui court. Oh. Bonjour le chien. Bonjour. Ici, ici, ici. Voir ton maître. Oui, il vaut mieux aller voir le maître. Allez, ton maître s'appelle. Oh. Ah oui, attention. Bonjour. Bonjour. Attends, va bifurquer les. Ah, ouais, mais en fait, le chien a vu ma chaussette de perche comme un jouet. Ah. Donc là, s'il commence à s'amuser à mordiller, ça va pas faire le coup. C'est surtout que je remets ma main pour faire comprendre au chien qu'il faut surtout pas qu'il morde ça. Ce sont des choses qui arrivent. Mon doigt de pied qui est là. Ah, tant pis, ça va passer. Vraiment, j'avais fait des vraies chaussures de marche. Ça coûte au moins 300 balles une chaussure de marche maintenant, de bonne qualité. Ah oui. 300 balles. Hein. Bah, faut dire aussi, bah, comme tu le disais aussi tout à l'heure, l'avènement d'Internet, il n'y a plus vraiment de magasins de chaussures qu'en pignon sur rue. Là, je crois qu'il n'y a qu'une seule enseigne aujourd'hui sur Nancy. Oui, mais c'est hyper cher. Bah oui, parce que c'est leur, comment dire, c'est leur stratégie de prix pour survivre. Oui. Ils en vendent peu, de haute qualité, mais ça leur permet de survivre. C'est horrible, hein, mais... Ah, oui. Allez, c'est parti, Plastal. On va finir sans chaussures. Mais on est déjà parti. Attends, moi, il faut juste que je m'assure de jeter un coup d'œil à la caméra, m'assurer que je cadre bien le Schmilbic. Eh bé, quelle aventure!
Oui, sinon c'est bien aussi. Bah, j'étais déjà en train de me projeter dans le calendrier et me dire c'est quand qu'on commencera à leur diffuser la première partie. Je sais pas quel dimanche. Alors pas dimanche prochain, je pense pas. Parce que le week-end prochain, je serai là que dimanche. Et j'aimerais bien jouer. D'ailleurs, j'aimerais tellement bien jouer que je pense qu'exceptionnellement dimanche matin prochain, je ne ferai pas de Final Fantasy. Mais je ferai plus mon Far Cry 2 exceptionnellement. Ce sera. Puisque le. Voilà, jusqu'au. Bon, je me laisserai glisser déjà jusqu'au 15 août. Le lundi matin, je ferai avec T7 du Starbound. L'après-midi, je verrai, je sais pas, j'improviserai. Et j'espère, bah, le mardi 15 août, faire des jeux communautaires en votre compagnie, du golf, du Tezo, du je sais pas quoi, du flat out, ce serait bien. Enfin, ce qui vous plaît, je vous suis, les gars. Ce sera avec pur bonheur. Je rêve ou j'entends des gosses au loin? Il y a loin. Des vélos derrière, avec un chien. Ah, alors on sert à droite? Reste à droite. On sert à droite. Et puis après, on verra le reste de l'agenda. Et le week-end suivant, je ne serai pas là. Bonjour, attention à la caméra, il y a Ah! un chien. Oh, oui, bonjour le chien. Bonjour. Bonjour. Du coup, oui. Bonjour, oui, allez-y. Il est argentin en plus. C'est que le chien là était plus posé que le précédent parce que quand j'ai vu l'autre commencer à sauter, il avait des yeux, un regard perforant bleu. Le chien a ah. un regard de loup. Ouais, ouais. J'aime bien les chiens, j'aime bien les chiens. Ouais, ouais. Et certains chiens, je mets du temps avant de. Là, je les analyse un peu. Puis... Ouais, vrai, ouais. Et puis quand c'est. Enfin, embêté. Le chien était en partie en courant là. Ah oui. Félicité. Ouais, mais c'est au-dessus d'une propriété privée, ça me gêne. Ça me gêne, mais oui, ouais. C'est une vue entre les propriétés privées de la Maxéville. C'est ça, exactement. Avec un X. Oups, oui, attention, je vais filmer sur le côté. Oui, attention à mettre les pieds. Bonjour.
Parce que comme ça descend et que parfois il y a de la poussière au sol, si c'est pour glisser, c'est pas la peine. Ouais. Parce que tu marchais sur la partie sale alors. Ah oui, j'ai pas vu. Oh, oui. C'est pour ça que je me regardais vers toi, te dire oui, tu t'exposais à finir sur les fesses. J'ai regardé la dame. Là. Oui. Réflexe, Oui. oserais-je dire, très masculin. Oui, tout à fait. Prévoyeur, c'est pas bien. Elle veut dire, elle était timide, elle avait un signe de tête. Elle était toute seule, elle a peur. Et quand on se met tout seul, on se prend une tête seule, on se prend avec un copain, ou un frère, ou un père. C'est pas faux, ouais. Moi, je dis bonjour. Elle Oui, était jeune, c'est hein. correct. Elle Oui, était bien majeure. sûr. Elle a l'air d'être majeure quand même. Je peux faire attention. Ouais, on verra de toute façon, on va Oui. discuter. Je passe au-dessus de ça. Ah, Non, pardon, parce que n'interprétez pas mal mon propos non plus. Oui, c'est vrai, ça pourrait être très mal interprété ce le que je viens de truc, dire, mais avec légèreté, mais non, non, c'est je. que quand les personnes ne sont pas majeures, on n'est pas censé dire bonjour. Ça fait. Oui, parce que oui, dans l'éducation qui est très juste, on ne Ouais, puis parle pas surtout. aux inconnus quand Bah oui, voilà, t'es pas exactement. adulte. Mais... On Oui. dit bonjour pour être poli. Oui, Bonjour. Bonjour. tu seras pas être. Tu vas pas être puni à faire ça. Tu marques dans la civilisation. Oui. Oh non, il y a un peu de vent. Qu'est-ce que. Hein? Il y a un petit Oui, un petit combustible. débris au sol. Ouais. Alors attends, du coup, comme le cycliste il Ah, c'est pas sert. bonjour, on est en ville, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est juste que j'essaie de pas filmer les anonymes. Je suis en train de me casser la tête à faire le cadrage au-dessus, au niveau des arbres. Pour justement éviter de filmer les anonymes. Bonjour. Ça là, c'est C'est vrai peut-être. que dire bonjour au rond-point, C'est après, ça, c'est. oui. Non, mais alors j'aime bien. Excuse-moi. Tu fais rire, pourquoi? Parce Ouais, vas-y. que tu prends plus en plus à tes aises, et c'est bien, d'assurance, aller vers les autres, à leur dire bonjour. Mais tu passes presque d'un extrême à l'autre. Oui, tout à fait. La dernière fois, tu te braquais presque, t'étais gêné, et tu me faisais la remarque quand t'arrives à tourner aux autres et tout, machin, à dire bonjour spontanément, moi j'y arrive pas. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est presque là, j'en arrive à te freiner. C'est limite si tu es pas à dire, oh, je vois quelqu'un qui est dans son jardin, je vais franchir le seuil, ouvrir la grille, et aller serrer Ouais. la pince à la personne et Bah oui. bonjour! Mais pour moi, elle a glissé là, un peu dans la peur, Alors que oui. la Hein? personne est chez elle. Oui, non, là, tu tournes dans l'autre extrême, là. Il avait une tête étonnée d'ailleurs, le gars. Oui, ben je le joue un peu parce que c'était un beau jour presque un peu trop printanier, gratuit, alors qu'on ne le croisait pas vraiment. Mais bon, bref, c'est tout de ton honneur là Moi, c'est un aussi, rond-point. mais là tu verses vers l'autre extrême de spontanéité humaine. C'est un petit extrême pour moi, un petit. Faut pas trop Ouais, aller loin. oui. Là, bon, là, c'est la civilisation terminée. Mais c'est pour ça que je rigole. On Et c'est pourrait pas faire une faux. comparaison des deux scènes. Ouais. Tout est son contraire. Ah, bah, fait que. L'état d'esprit Ah, d'une merde. personne au jour le jour. Oui, bien sûr. Bon, là, je vais Ah, c'est ralentir. marrant, tu vois le Il y a des truc, bagnoles qui arrivent. Oui, tu tu veux vois filmer les arbres quoi? qui sont écroulés Alors, au niveau de la oui, terre. c'est une érosion. Je sais pas si je peux filmer au-dessus des bagnoles. Attends. Attends. C'est intéressant ce que tu observes. Au niveau de la géologie. Ouais. Il y a eu un écoulement, il y avait une érosion sur le bord de la colline opposée. Je ne sais pas d'ailleurs à quel endroit ça correspond géographiquement parlant, je ne peux pas dire. C'est derrière la tour panoramique. Ouais, Au-dessus de la c'est assez clinique. loin. Attends, on commençait à descendre, il n'y avait personne. On arrive au carrefour pour traverser, il y a 50 bagnoles. Ouais. Les gars qui n'ont pas de bol, Le quoi. contraste. Oui, du coup, je boude, j'attends que toutes les bagnoles passent avant de traverser Pénard. Pardon, puis il faut que j'en rate. Excusez-moi, j'ai des gaz. Ça me met dans l'inconfort. Pardon. Ah. Ça y est, En les fait, voitures se sont barrées. pour venir au bonjour de tout à l'heure, Oui. on ne dit pas en ville parce qu'il y a tellement de gens que dire bonjour, bonjour, bonjour tout le temps. Oui, c'est. Il faut que tu sois dans un village. Mais généralement, quand il y a un groupe de personnes, tu dis bonjour une fois, tu te derrière encore une fois et c'est tout, quoi. Oui. Ça me choque, hein. Bon. Tu veux aller par là ou par là? On va. Ah! Ah! Tu veux tester? Parce qu'on a déjà fait Non, ça. c'est pas que je veux tester. Enfin, je sais où ça va mener. Ah! Mais sur la fin, ça peut être en kikinant. Là, si on prend par là, on va descendre, on va arriver rue de l'Église à Malzéville.
Et on peut pas, il y a des travaux. On peut pas, il y a des travaux. Je me rappelle qu'il y a des travaux. D'accord. On aurait été emmerdés, on aurait été obligés de rebrousser chemin. Donc là, on fait un remake ou une définitive édition pour... On fait je sais pas quoi, mais je suis content qu'on ait pu continuer à recharger un peu le téléphone et la perche pour filmer. Non, mais j'avoue, mais à coup de pas, j'ai merdé la gestion de l'énergie. Et là, pour une fois, je me suis fait avoir. Coupure de caméra parce qu'il n'y a plus de jeu. Donc, il fallait faire la pause et alterner pour recharger l'autre appareil. Alors, il y a longtemps, à l'époque où il n'y avait pas la route, que c'était encore en travaux. Non, non, mais attends. J'avais vu une magnifique chenille, mais la grosse chenille du gros papillon. La chenille qui fait la taille de, je sais pas, d'un cigare. Ah ouais, la grosse chenille. Ça fait un élan de papillon là. Oui, bah, ça devait être sûrement un peu une chenille de papillon de nuit. Peut-être un sphinx de liseron, je sais pas. Je connais pas la taille de la chenille du gros papillon que j'avais présenté. Ouais. Alors c'est, bah oui, souviens-toi l'anecdote. C'est ces jardins-là où oui. Quand j'avais accompagné deux japonaises, oui. Qui étaient dans leur sein, voilà, dans leur tenue d'Adam. Qu'elles avaient rigolé, que j'étais un peu emmerdé, mais qu'elles l'ont très bien pris, heureusement. Que j'avais pas prévu au programme. Mais elles l'ont très très bien pris, ça leur fait un beau souvenir de France. On est encore un peu dans la nature là. Je peux recommencer à dire bonjour. Ah. Enfin, plutôt bonsoir. Ouais. Ouais. Oh, je n'aurai cesse de te remercier de tout ce que tu m'as gâté encore aujourd'hui. Le miam délicieux. Ouais. La promenade avec toi qui était géniale. C'est frugal, mais c'était bon. Ça veut dire frugal au moins Frugal qui remplit le bide, je crois. Non, qui... c'est léger. Ah, c'est l'inverse, merde. Oh. On va vérifier frugal, on va vérifier quoi? Meuble, seul meuble. Meuble, oui. Allez, on va vérifier notre lexique. Ouais. Tu le fais bien, je sais plus. C'est peut-être moi qui ai tout faux, hein, qui raconte des âneries. Hein, je suis parfaitement prêt à le croire. Bon, auto-école. Il y en a qui apprennent à conduire. Oui, on sert à droite. Merci. Bonjour. Je ne cache pas les choses. Je surveille de temps en temps. Eh, on voit qu'on arrive vers la fin de l'été. Hein. Pourquoi? Plus sombre. Ah oui, oui. Bah oui. Soleil, eh oui, ce 6 d'été, c'est le 21 juin. Là, on est déjà première quinzaine d'août. Ouais. Si on fait une promenade en la septembre. Fin de l'été, c'est le 20 septembre. Ouais. Oui, bah, encore un bon mois et demi. Hein. J'ai bon espoir de faire encore une voire deux promenades avant d'arriver à la mauvaise saison. Ouais, grâce moi, à c'est toi. Très bien. C'est génial. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse une mauvaise ville sous la neige? Alors, agenda, le problème c'est que l'hiver. Il y a beaucoup de travail. C'est ça. Ça va être chaud pour caser un jour de tournage en hiver. Sauf que toi, tu fais le. Le quoi? Entre ta semaine entre Noël et Nouvel An, tu fais une pause. Normalement, c'est pas toujours garanti, ça dépend de ce qui m'arrive, mais normalement, oui. Écoute, on pourra caler une baleine là, si ça te change. Ouais. Mais après, c'est pas forcément de la neige entre le premier, entre Noël et... Il faut surtout pas tomber sur des verglas aussi. Il y a aussi de problèmes. Ah, tu m'étonnes. Mais une fois, j'ai fait le plateau en mauvaise saison. Ouais. Ça fait des photos magnifiques. Là, je pourrais peut-être vous faire un diapo d'ailleurs en bonus un jour. Pour sortir les... Parce que là, il n'y a rien de personnel, c'est moi qui suis allé en solo, je sais plus quelle année. Et non, j'avais le plateau sous la brume. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Et c'est vrai, j'avais la même motivation que toi. Je voulais voir le plateau. D'ailleurs, je m'étais même enseigné à l'époque, savoir si les gens, c'était pas zone de chasse. J'avais un peu peur. Et non, le plateau en lui-même, le haut, ça reste de la randonnée 100%. Il n'y a pas de chasseur. Surtout la hauteur. Oui, bah oui. C'est plus blanc. Ouais. Mais ouais, j'ai fait des belles séries de photos. Mur paillasson sur le grillage. Oui, c'est vrai que ça fait mur paillasson, là, le grillage à droite. Ouais, on dirait la même texture que les paillassons. Ouais. Ils sont aussi dans les padelka pour la chaleur, pour la conserver au maximum, des tapis. Ouais. Ah, du vélo. Ah, on sert à la droite. On laisse les vélos passer.
Oula, oui, ils passent vite. Vache. Ah oui, ils sont pas passés doucement. Mais c'est qui, c'est en mode sprint là? Enfin, tu me diras, ça descend. Oui, 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 il parlait pas français. Coureur derrière, il est loin encore. Ouais. Mais. Il est dans une pente, donc tu vas le rattraper vite. Oui, oui. Non, d'ailleurs, je pense à l'eau bouteille que je consomme là. Attends, je parlerai après le passage du coureur. Ah oui, la pure seulement je suis là. Oui, non, à un moment, ces derniers jours chez moi, je me trouvais un peu barbouillé. Alors, je dis pas que j'ai été presque ouais, de nausée. Limite à commencer à avoir envie de vomir quand je buvais l'eau du robinet. Ouh. Et ouais, et j'ai arrêté parce que je me disais, il y a peut-être un arrêté préfectoral que j'ai pas vu. Mais en même temps, j'ai pas rien vu dans mon courrier où il y aurait peut-être l'eau du robinet qui est contaminée. C'est pas arrivé, hein, c'est con, mais. Ouais. Je sais pas, je me sais pas. C'est bizarre. Tu parlais de gens qui vont vite. Pour. Qui vont vite en courant et puis en vélo là. Ah oui, oui. Et moi je pensais aux gens qui sont en trottinette en ville, ils vont à fond la caisse au maximum de la vitesse de la trottinette. Ouais, le truc n'y a pas. Ils ne s'arrêtent jamais quand il y a des obstacles. Normalement, ils te rasent. Le truc n'y a pas. Je me suis demandé si les freins ne leur coûtaient pas une sujet très vite et ne leur coûtaient pas une blinde sur les trottinettes. Aucune idée. Parce que sinon, ils freineraient plus souvent. Tu devrais être sûr à remplacer, ou ça coûte cher, ou ça s'use vite, je ne sais pas. J'en ai pas, donc je ne peux pas dire. Je ne suis pas accoutumé de l'appareil. Il y a des murs ici, c'est impressionnant. Oui, il y a des murs aussi. Non, il y a une dame d'une cinquantaine d'années qui a été renversée à Nancy il y a quelques mois de ça. Ouais. Et pas cool parce que elle a été hospitalisée dans un sale état. Elle s'est fait renverser par un gars en trottinette qui était. Bref, qui l'a dégommé quoi. Et pas cool. Ah merde, c'est les dames qui. Si tu filmes côté bois, parce qu'on croise du monde. Ouais, mais je pense que tu vois, là. Enfin, ma perche, je vais la remballer avant d'arriver à Nancy, même. Ouais, parce qu'il y a encore du monde, hein. Et c'est vrai que c'est une fin de journée agréable. Ça fait presque chemin. Ouais. C'est limite, vraiment. Donc, du coup. T'as vu, c'est qu'on dit spontanément bonjour. Oui, j'ai entendu. C'est pour moi. Oui, 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 on tourne un peu la deuxième à droite. J'avoue, c'est un. T'avoues quoi ? Au moment où je suis assis sur le banc, j'étais plus crevé sur le banc que là, je suis debout. T'arrives à partir, hein, c'est bien. Nickel. Oh, ton corps avait besoin de poser un peu, il ne te l'exprimait pas, mais il appréciait la pause. Ouais. Ça t'a permis de te ressaisir. Oui, j'ai relâché la nuit pour dormir. Mais oui, moi aussi. Ah, il n'est pas dit que j'ai quelques douleurs, moi, le matin, au réveil. À droite, oui, attention. Oui. Ouais, pas que tu oublies qu'on tourne. C'est parti pour faire la veille à pied. Si. Ça, c'est protégé d'humidité, je pense, le carton de métal. Oui. Je n'avais pas dehors. J'aurais dû souvent dire ça, passe dehors, et puis je te rattrape. C'est pas faux. Ouais, je suis en train de penser à. La rubrique nécrologique, là, on a perdu pas mal de monde hein, ces derniers jours. Tu disais en regardant la poubelle ou... Non, pas du tout. Non, je ne regardais pas la poubelle. J'avais le regard évasif au loin, en pensant à Hélène, je ne sais plus, de Cône, enfin la grande académicienne qui nous a quittés. L'humoriste clown américain Django Edwards, qui s'est éteint assez jeune, je trouve. Qu'il est mort à même pas 70 ans d'un cancer, les boules. Jane Birkin, si on va un peu plus loin dans les jours précédents, qui nous a quitté aussi. Ah, ça fait Jane Birkin, je l'aimais bien. Elle était rigolote.
Ouais. Ah bah oui, mais c'est débile. Quoi? Man, je suis en train de penser à ma caméra. Oui. Mais si je la remballe par rapport à ce qu'il y a trop de monde, oui. Bah je vais pas dessus jusqu'à la place Stan, puisque mon autre caméra, la mémoire est saturée, j'ai plus de place libre. C'est bizarre d'ailleurs. C'est à croire que j'ai dû merder, que j'ai dû oublier de vider la carte mémoire. C'est bizarre. Quand il m'a dit qu'il restait plus qu'une demi-heure de vidéo. Je sais pas ce que j'ai foutu. Généralement je vide la mémoire, mais là j'ai peut-être fauté. Mais on peut faire une bifurcation, c'est pas un souci. On peut se séparer un peu avant la Stan. On verra. On verra. Mais oui, non, mais si tu vois, s'il y a trop de monde et que je serais mal à l'aise avec la perche à la main en centre-ville, je serais tenté de remballer le matos et d'arrêter de tourner, quoi. Va voir. Sophie? Ouais, je sais pas, il y a des gravitis débiles. Enfin, tant que c'est pour des grosses insultes. Bah, je sais pas si t'avais vu tout à l'heure le banc sur la table d'orientation, mais je crois qu'on l'avait remarqué la fois précédente. Il y avait des nunuches là qui s'étaient amusés à dessiner un T-Rex qui, on va dire, enfile un Triceratops. Au moins le dessin est original, on peut leur accorder le fait là, mais bon, bref, soupir. Alors là, oui, pardon, mais je vais passer devant. Vas-y. Ouais, je t'invite à mentir. Oui, il ne faut pas qu'une bagnole arrive en dérapage. Et je vais avoir la paresse de monter sur le trottoir quand il est très bas. Voilà. De quoi? N'hésite pas à regagner le trottoir très vite. Ah oui. Oui, bien sûr. Non, bah, je n'allais pas rester à me faire dégommer sur la route. Là. Pas folle la guêpe. On dirait la bonne vieille expression. Je vais filmer le ciel parce que j'entends des voix. J'ai peur de filmer des gens. Ah non, c'est la demoiselle qui téléphone. Ouais, non, c'est la demoiselle qui téléphone. J'étais embêté. Alors, attends que le feu passe au vert. Si tu veux. Ah, je me suis fait mal. Ouais, ça fait bizarre de voir ces rues vides. Coupé avec un duvet et à chaque fois j'appuie sur le doigt que j'utilise beaucoup et ça rouvre un petit peu à chaque fois. Ah. J'aime pas mettre des pansements parce qu'à l'air c'est tellement mieux, ça serait très bien. Bah alors.
Ah, c'est beau le bâtiment là. Ouais, il y en a des beaux. Même architectural, oui, il y a des très beaux bâtiments. Ah oui, non, je suis en train de braquer l'angle maximal de rotation, on dit stop. Mince, du coup, je suis en train de filmer une façade de propriété privée. Ah, j'arrive plus à revenir sur la route. Ouais. Oui. Votre garage est marqué stationnement gênant. Le mec, il s'est pas garé devant son propre garage. Ça n'est pas permis de... Actuellement, ce n'est plus permis de se garer devant son propre garage avec sa propre voiture. Ouais. C'est occupation de l'espace public interdit. C'est débile, hein. C'est ton garage. Mais là. Je n'y comprends pas. Changement de logique. Oui, bah tiens, on n'en a pas parlé, mais tu m'es fait penser. Il n'est pas rare que les gouvernements successifs passent, votent des lois en catimini quand tout le monde est en vacances, tu sais, fin juillet, début août. D'accord. Et les parlementaires et le chef de l'État prennent leurs vacances la deuxième quinzaine d'août, un truc dans le genre là, je sais plus. Et là, en ce moment, ils peuvent, entre guillemets, potentiellement voter des lois qui sont potentiellement populaires. Donc, hop, comme tout le monde part en vacances esprit libre, la surprise se fait l'année suivante quand tu te rends compte que ah merde, il y a une nouvelle loi, machin, je savais pas. Enfin, ça, c'est un grand classique. Et en plus aussi, au niveau des lois, il y a aussi les prix. J'ai fait mes courses en pleine. Exact. En plein magasin. Tiens, prix augmenté. Alors, j'allais y venir, mais pas pour les magasins. C'est exactement ce que je voulais dire. Au niveau des services internet. D'accord. Moi, j'ai reçu des courriels récemment. Les services de PayPal, la plateforme américaine de sous-sous, ouais. Justement, moi j'utilise pour la cagnotte de ma chaîne Twitch, comme vous le savez, plus Google, ouais. Et ben, ils ont changé leur organisation d'utilisation. PayPal, maintenant, va taxer de 1% du montant que tu transfères, alors je ne sais plus, intercontinental, du genre États-Unis vers l'Europe. Ouais. Alors il y avait une taxe, mais je crois qu'elle n'était pas aussi prononcée que ça. Et Google, maintenant, ils font le ménage sur leur serveur. Tout compte Google, des services Google ouverts, qui est inactif pendant 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, gauche, gauche, gauche. Mais attends, on va prendre le passage piéton proprement, voilà. Attends, même là, on trichote. Mais à partir de, je sais plus, de septembre prochain, octobre. Attends, deux gentils mois. Si tu as un compte qui reste inactif 24 mois, ils se réservent le droit de le supprimer. Ouais. Alors, ils le font proprement, c'est-à-dire que 11 mois avant la suppression, ils vont t'envoyer un courriel en disant « Attention, vous êtes inactif, est-ce que vous avez encore la main sur votre compte ? Est-ce qu'on s'apprête à le virer ? Vous êtes, voilà. Vous souhaitez nous servir ? » Oui, bah oui. Oui, parce que c'est des gens qui créent des comptes à la tête, qui oublient leur mot de passe et qui en créent un autre derrière. C'est ça, ce qui pollue et encombre les serveurs, effectivement. Alors, c'est difficile de filmer quand il y a du monde et que tu veux rester filmer avec les anonymes. Oula, il m'a fait peur le motard. Donc j'essaie de filmer des toits sans filmer des personnes, c'est assez sport comme pratique. Oui, des fois, c'est... Ouais, ça fait suer. J'aimerais bien changer de trottoir. Oui. Oui, mais j'ai vu, la caméra fait peur, je sais. Mais moi, en tant que piéton, j'ai bien vu que je pouvais traverser, il n'y avait personne. T'inquiète pas. Je sais. Non, non, là, on pourrait se permettre de traverser. Voilà, là, je suis mieux. Alors là, le site qui est bousillé, qui fait cour vierge, il y a longtemps ici, il y a des années de ça, il y avait blanchisserie industrielle, la marque Elis. Ouais. Parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'eux se sont déportés. Ils sont déportés plus loin, un kilomètre vers l'ouest là-bas.
Et tant mieux, quoi, ils sont modernisés. Je sais pas ce que ça va devenir ici. Je me tiens pas au courant de l'actualité des chantiers de Nancy. Ici, je sais pas ce que ça va devenir. C'est calme. Ça fait un petit moment qu'on est re-rentré dans la ville. Et c'est d'un calme plat. Ça fait du bien d'avoir la ville comme ça. Presque vidée de ses habitants. Oui, la rivière. Attends, je vais la filmer. Là, les poussières, elle est plus remplie. Hein. Beaucoup plus remplie. Ouais, c'est bien. Les pluies étaient là. Il y a des pêcheurs et tout. Très, très bien. Alors, je crois pas que ce soit une voie navigable. Non. À une époque, j'ai souvenir qu'il y avait plus de secteurs qui étaient tolérés pour les kayaks. Et je crois qu'ils ont arrêté. Ils ont dû aménager un plan d'eau, je sais plus où, dans Nancy. Par là, Nancy, l'avion. Ouais, et c'est devenu interdit. Alors que, il y a des années de ça, je me demande, je sais pas, des exhibitions de canoë kayak. Bah, les mecs qui habitent aux alentours, je pense qu'ils devaient voir par leur fenêtre, ça devait être, une attraction. Tiens, il y a des ouvriers là-bas. Je suis surpris qu'ils prennent leur service à cette heure-ci. Ah, puis c'est bien, il n'y a personne à l'arrêt de bus. Donc j'ai pas détourné la caméra. Ah, tu vois, j'apprécie, il y a quasiment personne. Donc je peux filmer, là, je suis à mon aise. Personne en face au niveau du trottoir. Filme en haut. C'est où t'as dit qu'il y avait un feu qui était spécial qui faisait quoi? Point carré. Normalement, il est censé y avoir la pose d'un feu tricolore pour piétons. Donc un feu orange pour piétons. D'accord. Et il est toujours pas posé, il doit être posé à point carré. Peut-être qu'ils le mettront pour la rentrée, je sais pas. Ou alors ils ont abandonné le projet, je sais pas. Ouais, c'est piégé au sol. Ouais. Je t'accorde ce fait. Alors, on va comme croiser du monde et je vais devoir filmer Ouais. Alors c'est bien parce que on va arriver à l'établissement dont je parlais tout à l'heure. Bah, c'est pas mal de faire au-dessus.
on voit un peu les anciennes commerçantes. Et on va arriver en fait à l'ancien auto-école qui va être reconverti en salon de coiffure. Peut-être dans le sens là-bas un jour le canal de Varnoir. Ça y est, c'est vert. Oui, partir vers le sud. Ouais, on verra. Et vers le nord, pardon. On verra. C'est des choses à faire. Je repasse devant, pardon, surtout qu'il n'y a personne. Voilà, ça c'était une ancienne auto-école qui a été reconvertie en salon de coiffure. Voilà, on le voit au niveau de la fichette. Voilà. Bon bah, espérons que ça marche au niveau de leur installation. C'est quoi avant, tu disais ? Avant c'était une auto-école. Auto-école. Bon, bon. Auto-école. J'ai oublié. Mm. Avec un peu de chance, on va réussir à filmer à nouveau jusqu'à Plastane. Ah, attention, il y a du monde. Les voitures. Attention au niveau des bagnoles. Toujours peur avec les voitures. Heureusement qu'on est en route. Il y a moins de monde, c'est bien. Il y a moins de monde. Voilà, là je peux remettre en bas, on a creusé les gens. Alors là, oui, non, je vais faire mon vilain et je vais couper. Attends, on va avancer un peu parce que les voitures arrivent vite. On va pas couper trop. Filmer là, le côté opposé de la rue où il n'y a personne. Alors là, on va être vilain. On va vite traverser. Moi, je traverse toi. Comme tu veux. C'est tout à ton honneur. Là, j'ai fait mon vilain, mais j'ai coupé au milieu de la rue. Mais c'était correct, il n'y avait pas de bagnole. Je préfère prendre une autre tour, il n'y a personne. On va filmer Nayonné qui est en face. C'est Nayonné. Et là, je marche seul. Bravo, Nayonné exemplaire. Vidéo code de la route. C'est bien, bravo monsieur. Même les feux rouges en ville, il y a plein de monde qui passe. Mmh. Regarde, parce que je m'arrête, mais c'est rouge. C'est rouge, je passe pas. Ah non, bravo, citoyen exemplaire, je m'incline. Je voudrais pas, non seulement tu... Tu enregistres la faute. Oui, bah oui, non mais je confesse, ouais. Mais bon, c'est là où on peut revenir sur la configuration de la rue, où j'ai attendu de vraiment de sortir assez loin du virage
pour pas surprendre l'automobiliste qui arrive à toute berzinque et pas me faire dégommer. Et au son, je vous avouerai que j'ai entendu qu'il n'y avait pas d'autorisation. Donc je savais que je pouvais m'engager sans risque. Oui, pardon. Je prends le bus pour rentrer parce que j'ai mal au petit doigt de pied. Ouais. Ouais, ouais. Te fais pas te flinguer non plus. Moi, honnêtement, ça va. Là, je suis bien. Je commence à sentir ma voûte plantaire, mais bon, sans plus. Ah merde, une ampoule, ouais. Oh mon pauvre. Salut, papa. Ça fait... Tu vas avoir un sujet mortel. Tu viens de porter jusqu'à chez moi. Oh l'autre. Ah non, là je porte plus rien d'autre. Je vais m'arrêter au parc de la première. Est-ce que je porte plus? Encore que je t'avouerai que je sens pas le poids de mon sac sur le dos. Hein. Je me sens bien. Alors je sens les lanières, je sens que je transporte un truc, mais ça me pèse pas. Je boite un peu là. Ah, tu commences à boiter, merde. Je ralentis. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il Pourquoi a gonflé le doigt de pied. Ah bon? Ouais. Bon, bah. Alors le bus le plus proche. Le Plastan, il y en a. Si tu retournes Plastan, bah il faudra que tu ailles au centre-ville. Je t'indiquerai. Je t'indiquerai où tu peux te faire déposer comme une fleur. Ouais. Ouais, courage, courage. Ouais. Je suis plus fort que la douleur et que l'esprit fort. Voilà, je peux pas avoir plus mal. C'est bien, c'est bien. Ah, je ralentis. Ah oui, il est 20h pile. Le rodateur annonce 20h. C'est bien. Oh là là. C'est vrai que c'est le moment idéal. Il n'y a personne dans les rues, presque pas. C'est cool. Ah, je suis content de pouvoir vous offrir ce spectacle. Là, quand je m'arrête, ça fait pas mal. Ouais. Bah si. Ça dépend si t'as pu ou tu frottes. Ouais, la partie qui, à mon avis, commence à être en inflammation, on va dire. Ouais. C'était un frottement. C'est pour nous. On a fait un local. Oui, à droite. Ouvert par une association Warzone. Warzone. Jeux vidéo rétro. Ah ouais, jeux vidéo rétro. Ce qui fait peur, c'est que tu l'as peut-être dépassé de la main. On peut éviter la place. Ah non, Plastan, c'est là-bas. Oui, non, c'est pas. Aujourd'hui, c'est pas judicieux. Mais ouais, un jour, on s'amusera. Mais ça a fermé, ils vont peut-être ouvrir le même local, mais je suis pas sûr. Ouais, ah oui, bon, en plus, ils ont fermé, pardon. Mais... À cause du Covid. Tu vois, oui, bah, je préfère. Oui, tu l'avais expliqué. Tu vois, je préfère encore que tu fasses une démonstration à la Google Street View en direct. D'accord. Ce sera même mieux. Oui, donc on aura le temps. Oui, largement. Vas-y, on sait faire ça. Ouais, t'es à ton aise. Les beaux-arts de la pépinière. Donc j'essaie de filmer la rue en grand angle. Ouais, les artères de Nancy. Ouais, on voit la loge derrière qu'il est 20h et des bouettes. Non, c'est pas pour nous. C'est à venir. Je peux faire 160, mais il y a toujours le balcon, c'est l'état. Attends, je filme le ciel du coup. Je vais revenir sur la cime des arbres. C'est bon, on peut y aller. On peut y aller.
J'ai jamais vu le motif de vaguelette sur le. Ah oui, ouais, sur le pilier. Ouais. Bien sûr. Il commence à avoir du monde. Je continue à filmer le haut. Ah, on peut y aller. Ah, ouf. Hop là. Ah, attends, mais j'allais dire que. Eh oui, avec les gens qui passent. Que je puisse revenir sur le. De ce leurre sont magnifiques. Je prends une fille de l'autre côté aussi. Ah, les fleurs. Ah, les fleurs. Et les flics. Bah, tiens. Photo. Si tu veux. Mais dans les forces de l'ordre, il y en a beaucoup qui déposent des arrêts de travail, mais tellement en nombre que. Les supérieurs se réservent le droit d'en refuser certains pour assurer l'ordre public. Donc pardon, mais des membres des forces de l'ordre en ce moment, on n'en verra pas beaucoup. Là, sur son manteau, le monsieur, quoi là, je sais pas. Sur son menton là, sur la statue. Ah. Il y a un autocollant sur le menton. Oui, alors il y a un uluberlu qui allait escalader la statue, le truc à pas faire. Et qui a foutu un autocollant sur le menton du buste de monsieur je veux dire qui c'est. Granville, là. Ouais, c'est. Voilà. C'est débile, mais il y en a la vue. Je serrerais volontiers à gauche, moi. Il y a moins de monde à gauche. Alors, c'est Gigi Granville qui a vécu 44 ans. Ah, ok, paix à son âme. Gigi Granville, 44 ans. J'aurais oublié depuis. Gigi Granville a vécu à 44 ans. Mais lui c'est en 3147, il n'a pas vécu longtemps, bon monsieur. Ouais. Ça veut dire qu'il me reste 3 ans devant moi si je vis comme lui. Ça fait peur, mais ouais. Ouais. L'idée. Ah oui. Oh, la mort est une renaissance. On peut le voir comme ça. Ah, ouais, c'est pas mal. Mais on voit que là, on est avancé dans l'été, il fait plus sombre. La luminosité n'est pas la même. Allée centrale de la pépinière. Et là, on retourne prendre une glace. Ah non, ouais, encore merci à la dame qui a accepté de nous servir 10 minutes avant sa prise de service. Ouais, adorable, très pro. Ouais. Ouais, ouais, les glaces de la pépinière de Nancy. On peut leur faire la pub. Très pro, très sympa. Alors sur la droite on a le palais du gouverneur qui est un autre parc. On fera peut-être un jour aussi on s'amusera à filmer là-bas. Ça commence à y avoir du peuple. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, du coup, je suis sur le côté, je suis sur la droite. Je peux revenir sur la voie centrale. C'est clair.
Est-ce qu'on se fait une variante ou pas? Tu veux la droite? Bah, presque tenté. Si la variante est valable, il y aura moins de monde. Fais-moi mal aux pieds, parce qu'on a déjà fait la filmer ça précédemment, que je sache. Là, je commence à trop de densité de population, même à l'aise. Ouais, ouais. Ce qui a passé, lui. Je rêve ou ils viennent te frôler? Ouais, ouais, il y en a qui n'ont pas, no... hein. Ils ont pas de notion de distance de sécurité. Ils vont toujours à fond. C'est incompréhensible. Ouais. Et nous, on prend la place de la route, mais en fait, il n'y a rien à se garer là. Il y a une mixité, tolérance, piéton, bagnole. Je sais que c'est particulier, surtout que la politique, on va dire, locale, veut que ce soit davantage piétonné. Alors, on va pas passer en même temps, excuse-moi. Ouais. Oui, c'est pas possible. Ah bah tiens, tu vois. La place Carrière, peut-être. Ouais, l'échafaudage que tu vois là, au fond, c'est le tribunal de grande instance de Nancy. Ah, c'est ça. Ouais, ouais, c'est celui-là. Je sais pas ce que c'est. Ah, on peut se faire aller. Ouais, mais il y a du monde aussi. Mais il y a du monde. Mais c'est classe en même temps, fais chier. Ou alors tu peux filmer en montrant, hein, en passant. Ouais, en mettant le haut, allez. On va faire le prestige d'être sur la, la. Ouais. Ah, tu veux faire le. Carrément. Okay. Carrément. Allez, je suis fou. On est sur place, on y va, c'est trop beau. Voilà, d'ailleurs, c'est une webcam. Que je donne le lien, mais c'est vrai qu'on peut voir avec une webcam, donc les gens le savent pas forcément, mais c'est vrai qu'on est constamment filmé. Ah ouais, ça fait classe. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde sur la place Stan. Vache, vu d'ici on dirait que ça grouille de monde. Ah, ça va être un peu gênant pour filmer, merde. Bon. Bon, il est vrai que vers 22h des boîtes, il y a des projections sont en lumière. Ah, ça fait beau. Ça fait beau. Et en fait, pour ton confort, Nayonet, par rapport à notre position et notre direction, il faudrait que tu longes l'hôtel de ville auquel on fait face derrière la statue, là. Ouais. C'est comment tu tout droit. Tu longes et tu iras jusqu'en face, si tu veux, de la cathédrale. Ouais. Et là, tu verras que tu as un arrêt de bus proche. D'accord. Vers le haut, en amont. D'accord. Point central, et là tu as toutes les lignes, donc okay. tu pourras te poser, ouais, pouvoir monter à l'autre bout de la ville chez toi, Pénard. Il va faire le bus gratuit. Je vais attendre que le bus soit gratuit avant de monter dans le bus. Ok. Ouais. Alors, sujet épineux pour la municipalité, ouais. Le bus gratuit le week-end risque de sauter parce qu'ils ont un problème de financement. Et non, c'était justement question du contraire. Ah, ils pourront pas. Tout le temps. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Pourquoi? Parce que le centre-ville a perdu de l'attractivité et il y a beaucoup moins de commerces. Ah, si les commerces sont pas dynamiques, c'est comme dans SimCity. L'argent rentre pas dans les caisses de la mairie. Donc, tu peux difficilement financer autre chose. Si t'as plus d'argent qui rentre, et c'est malheureusement le souci de. Ah merde, je viens de chaque côté. Il y a une demoiselle. Donc, je voulais bifurquer pour éviter de. Il y a des gens. Ouais, je vais filmer sur le côté un peu. Ouais, ça va être délicat. Voilà. Ça fait partie aussi des charmes de la ville. On va peut-être pouvoir s'asseoir un petit peu sur l'un des murets de la place. Encore que s'il y a trop de monde, peut-être pas. Et ben dis donc, encore un magnifique périple qu'on aura vécu aujourd'hui. Très bien. Très très bien. Il y a des palmiers en bas. Ouais, il y a des palmiers en bac. Des batteries. Mmh.
doivent mieux résister au froid, ça, parce qu'ils sont... Je sais pas. Ici. Je sais pas. Je peux pas dire. Alors, il y a le sommet de la porte. Et on voit au niveau de la sécurité, il y a des caméras. Mais ça, c'est propre à chaque ville moderne. Ah, c'est superbe. Et donc, l'entrée majestueuse sur la place Stanislas. Voilà. Alors, je sais pas, puis si on voit un peu sur les côtés, il y a des affichettes. Bon, sur la tête de Nayonet. Voilà. Et ça fait. Alors, je filme dessus. Ah, mais ils ont chaud aussi à l'hôtel de ville. T'as vu, t'as une fenêtre grande ouverte. La façade en face. T'as une fenêtre qui est grande ouverte. Ah, c'est beau. Ah, la classe. Alors, attends, je vais essayer de jongler avec les gens. Regarde-moi. Pauvre Nayonet, si tu vas perdre ma trace sur la place. Je bifurque en fonction des personnes. Et je m'adapte. Ah, bah, il y a du peuple sur la place. Tu m'étonnes. Ah si, on va pouvoir s'asseoir en face, ces personnes. Ouais, moi ça. La belle place Stanislas. Des beaux bâtiments. J'ai la batterie qui lâche. Ah, et au même moment, j'ai le stabilisateur qui lâche. Ok. Ah, ça tombe bien. Attends, je filme encore, mais voilà, il y a des tensions qui sautent. Pardon. J'ai un beau trou, mais je vais arrêter là. Nickel, magnifique.